Toi, tu as déjà 55 ans. Already you are on 55 years. Seul Dieu sait si tu vas finir la dette là. It's only God who knows if you will finish the debt. Tu dois changer ton mindset. So your mindset needs to change. Parce que Dieu peut te donner assez pour acheter cash. Because God can give you enough to buy cash. Quand il parlait à Abraham, il n'y avait pas de dette. Speaking to Abraham, debt was not there. Dieu peut te donner. God can give. Et tu peux acheter cash. And you can buy it cash. Et c'est ce que Dieu va faire and avec that's toi. What he wants to do with you. Il y a des gens qui ne viennent pas le dimanche à l'église. People, there are certain people who are not coming on Sunday. Pendant que nous on prie. As we are praying. Et ils jouent le golf. But they are playing golf. Et c'est lui le propriétaire de ton flat. And he's the owner of your flat. Je suis en train de voir un transfert. I am seeing a transfer. Comme le transfert qui s'est fait en Égypte. Like that was made in les Égyptiens prendront leur richesse. Egyptians will take their poussé riches, par le feu de Dieu pushed by the fire of God, et les mettra entre vos mains and they'll place it into dans your le hands, jour qui vient the days that are coming, là où tu habites deviendra à toi where you are staying parce que la Bible dit ceci because the Bible le says, lieu où tu te couches the place where you je te le your donne head, I'll give it le to lieu you. Où tu te couches the place where your head je te le donne I'll give it to c'est you. Pourquoi je déclare ce declare, lieu devient le nôtre parce que nous avons prié ici. C'est en ce lieu que nous nous couchons. C'est en ce lieu que nous élevons Dieu. Nous prenons possession de ces lieux. Au nom de Jésus. Et ça ne sera pas notre seule possession. Nous aurons plus que ces lieux. Mais nous commençons ici. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette année, travaille. Prie. Pour que tu aies une maison en ton nom. So that you can have a house in your name. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. En 2018 ou 2017 ou quelque chose comme ça. 2017 or 18. Quelque chose était arrivé dans ma vie. Something happened in my life. J'étais tellement stressé. I was so stressed. J'avais peur de perdre mon travail. And I feared to lose my job. Je me disais, si je perds mon travail, comment je vais vivre? Saying, how will I live if I lose my job? Et j'ai fait une prière à Dieu. And I prayed to God. Parce que j'avais compris. Because I understood. Que toute ma vie dépendait d'un travail seulement. That all my life depends on a certain job. J'ai dit, ce n'est pas une bonne vie. I said, this is not a good life. Ça ne peut pas être comme ça. It can't carry on this way. Un homme ne peut pas dépendre d'une chose. You can't depend on one thing. Si cette chose s'écroule, toi aussi tu t'écroules. If this thing crumbled, you as well. Et je me souviens, j'étais avec le docteur Atom à la maison, on a fait une prière ensemble. So I remember, I and Pastor Atom, we prayed in the house together. J'ai dit à Dieu, I said this to je God, ne veux plus jamais that no more me retrouver finding à myself cette place at that place où toute ma vie all my life doit dépendre d'un salaire. Must depend of a salary. Frère, brothers, quelle sera ta vie what would be your life si aujourd'hui if today tu n'as pas de salaire? You do not have, not own any money. Église du Seigneur, Church of God, mon rôle, my role, c'est de vous amener à cette place. Is to bring you to that place où vous ne dépendrez que de Dieu where you only depend et des on choses God que vous avez bâties vous-même. And the things that you've built on your own. Je fais une prière à Dieu. I pray to God. Délivre-moi de cette place. Deliver me from this place. Hier, j'étais en train de parler avec le docteur Atoms. I was speaking to Dr. Atoms yesterday. On s'est rappelé ce temps-là. We remember that time. Et quand je regardais over the time, and looking at over the time, l'Éternel exauce ma prière. The Lord answered my prayer. Il le fera pour toi aussi. He will do it for you as well. Écoutez-moi. Listen to me. Dieu peut te donner une maison. God can give you a house. Il peut te donner un deuxième. He can give you a second. Il peut te donner un troisième. The third one. Il peut te donner un quatrième. And the fourth one. Il peut te donner un cinquième. And the fifth one. C'est possible, maman. It's possible. C'est possible, papa. This is possible. C'est possible. This is possible. Il y a des gens qui sont assis ici. Ils sont des témoignages vivants de ces choses. Et Dieu veut le faire avec notre génération. Changez votre focus. Cherchez à occuper la terre. Parce que c'est lui qui occupe la terre. C'est lui qui donne les règles. Tu peux avoir un bon business. Dans un bon coin. Very good place. Tu es locataire.
But you are renting it. Écoute ce que je vais te dire. Listen to this. Ton business dépend de ton bailleur. Your business depends on your landowner. J'étais en train de venir. As I was coming, je me dis si un jour City Property veut vendre tout ça. Saying to myself, City Property wants to sell all this place. Ok, je me suis décidé, je vais construire des flats là-bas. Saying that I've decided to build flats here. Je vous donne un mois de notice. I'm giving it notice of a month. Qui va accueillir ces gens ici chez lui? Qui? Now, who's going to receive all these people in their houses? Cela m'a réveillé. And that woke me up. Je me suis dit. And I said to myself. Nous serons propriétaires. We must own a land. Jeune homme. Young man. Ne te dis pas que tu es jeune. Do not say that I am young. J'ai rencontré des enfants, des jeunes de 25 ans. I met young people 25 years. Ils sont des propriétaires. They are owning land. Changeons notre mentalité. Let's change our mindset. Que notre argent aille dans des choses solides. Let our money go to things that are worthy. Tu dois apprendre à le faire. You need to learn how to do this. Parents. Parents. Le meilleur héritage que tu peux laisser à tes enfants, c'est la terre. The best inheritance to leave to your children is the land. Les laboureurs et ses enfants, qui connaît? Vous qui venez de l'école récemment, vous savez, c'est les laboureurs et ses enfants. Un père qui attend sa mort prochaine. Continue. 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 Ah. Donnez-la le micro. Ma frère, on se voit comme le pasteur, comment tu vas l'élaborer, ses enfants. Parole les a soutenus, comment tu vas l'élaborer. Pasteur, now teaching something else. But at least let me say it. L'élaborer à ses enfants. L'élaborer à ses enfants. Un père qui entend sa mort prochain, puis venir ses enfants et leur parlant sans témoin. Gardez-vous l'air, dit-il, de rendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché dedans, mais quel est cet héritage? C'est la terre. Il y a des gens ici, on dit, la papa Koufa, va te kalupango. Comme ça, si bah, 50 000 dollars, après bien faut un avis. Papa n'a pas au koufaté. Au koufaté n'a boi. Il ne mourra pas, ce papa. Toi qui attends que ton père meure, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ton père ne mourra pas. Your father will not die. Vous ne vendrez pas l'héritage que vous a laissé votre père. You will not sell the inheritance that he left. Continue. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage, vous les ferez trouver. Amen. Vous aviendrez à bout. Remuez votre champ dès que fera, dès qu'aura fait l'autre. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Les pères morts, les fils sont retournés à le champ. De là partout, si bien qu'au bout de l'an, ils reviendèrent davantage. D'argent, point de caché. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que les et le travail est un trésor. Frère. Brothers. Un jour, un frère de l'église jetait son nom. One day, a brother from the church. Après avoir suivi les enseignements qu'on fait. After following our teachings. Il m'appelle, il dit, pasteur. He called and he said, pastor. J'avais des petites économies. I had my savings. Et je pensais acheter un véhicule quelque chose. I was thinking of buying a car. Je viens d'envoyer 1 500 $ au pays, on m'a eu un morceau de terre. But I have sent money home and now I'm owning a land. Ta bénédiction commence quand tu as un morceau de terre. Your blessing starts when you own a land. Tu dois avoir une maison. You must have a house. Si tu as un bond. If you have a bond. Avant que tu commences à faire des dépenses inutiles. Before you start misusing it, paye ce bond pour que cette maison devienne avec ton nom. Pay it out so that this house can belong to you fully. Ne compte pas les maisons de la banque comme ta maison. Do not non. count the bank that belongs to you. Tu rates trois paiements, on te l'arrache. If you don't pay for 3 months, that house will be taken away. Est-ce que tu as un morceau de terre en ton nom? Do you own something or a land? Tu l'auras quand? And when will you have it? Tu as quel âge? And how old are you now? Jeune homme. Young. Même ici, on va des terres ici dans les Chouchangouvé, dans des 20 000 rands, des 30 000. Tu peux acheter, tu construis des petites maisons. Tu n'habites pas là-bas. Les gens peuvent dormir là-bas, les Sud-Africains. Ils te paient 2 000, 3 000 rands par mois. C'est à toi. You can buy a land, build, and people will be renting them. Yada. Moi, j'ai un ami à Olivet. I've got a friend like that. Il achète des terrains de prix dérisoires. Il construit des chambres, il fait comme ça 20. He built places or rooms. Juste chambres.
only rooms. On lui paie des 1500 rennes pour dormir là. And he gets 1500 just et il to vit sleep de ça. And he lives from that. N'attends pas seulement d'avoir beaucoup. Don't wait to have a lot. La prochaine fois que tu as $1,500, si tu ne trouves pas ici, demande au pays, on va te trouver. The next time that you have $1.5, send it home and get. Qu'on le mette en ton nom. And let that be in your name. J'étais à Lubumbashi, on m'a montré des quartiers où les gens achetaient des terrains à $200. I was shown a place in Lubumbashi where. Aujourd'hui, ces terrains-là coûtent $100,000. And now they cost $100,000. À Kolwezi, des places qui coûtaient de $100, de $200. Aujourd'hui, les gens vendent à $300,000. Land that costs $100 then, but now they cost more than $3,000. Il y a rien qui apprécie comme la terre. There's nothing that is more valuable. Une sœur me racontait, elle avait acheté des terrains là de $7,000. Maintenant là, ce même terrain à Lubumbashi, elle peut vendre à $70,000-$80,000. There was a sister who has bought a land for $7,000, but now they cost $70,000. Même si tu n'as pas l'argent pour construire, m'achète une terre. Though you do not have money to build, but at least own something. Si tu es quelque part, que tu as acheté, tu as un crédit. Somewhere. Tous les extras que tu fais, mets ça là-bas, que ces crédits partent. All that you have, please pay your credit. Dans la vie, in life, tu dois avoir un titre parcellaire en ton nom. You must have a land that you pour own, que tu t'appelles béni. So that you call yourself blessed. Si tu n'as pas un titre parcellaire avec ton nom à toi, if you do not have a land that belongs to you, tu dois prier Dieu. You must pray God qu'il te donne la terre. That he gives you a land. Est-ce que vous m'écoutez? Do you understand? Il faut pas dire que je ne vous ai pas dit. Do not say I never mentioned it. Ne regardez pas. J'étais à Lubumbashi en 2016. 2016, I was in Lubumbashi. Une dame m'a parlé d'un quartier où on vendait des terrains à $10,000. A sister spoke about a place where land was sold for $10,000. They started. They were just starting. Ah, les gens disaient, ah, est-ce que ce quartier là, est-ce que ce quartier? People were not too sure about the place. Maintenant là, le même terrain. But now the same land. It coûte 50,000, 60,000, 70,000. It went up to 60,000. Donc si j'avais acheté ce terrain là, so if I had bought them, même si je n'avais pas construit, though I could not maintenant build là it, j'aurais avoir 70,000. Now I could have had $70,000. Pas rennes mais dollars, c'est 1 million quelque chose en rennes. $70,000. Changez votre réflexion. Let change the way we see things. Les chaussures. Shoes. Les voitures or cars ne sont pas des assets. These are not assets. Tu vas les parquer où si tu n'occupes pas la terre? Where will you park them if you do not? Change ta façon de voir les choses. Change your mindset. Oh, on dit que ça ceux qui dans un quartier là prend ça. It does not matter the place. Quand tu as ça, if you own tu it, commences à aller te tenir là-bas. Then you go there and stand et dis parce que tu m'as donné la terre, saying, because you gave me the je land, veux contrôler tout ce qui se met sur cette terre. I want to control everything that stands on it. Je me retrouve en Zambie en 2019. 2019, I found myself in Zambia. Et une de mes amies qui est une veuve. So one of my friend who was a widow. Après la mort de son mari. After the departure of the husband. Elle n'avait pas grand-chose en main. She had not much in hand. Qu'est-ce que je vais faire avec les enfants? So what could she do with elle the children? Elle s'est décidée d'acheter un morceau de terre. She decided to buy a land. Avec tout ce qu'elle avait. With all that she had. Ce n'était pas beaucoup. That wasn't enough. Mais elle a acheté. But she did buy. Sans savoir comment elle va faire pour le reste. Not knowing what to do with the rest. Et un soir, elle m'a amené sur cette terre. So one night or evening, she brought me that place. Écoute ce que je veux te dire. Now listen to this. Dieu a toujours besoin de quelque chose pour faire le miracle. God always wants you to have something where he can do miracles. Dieu a besoin d'un point de contact. He needs a point of contact. Nous sommes entrés dans ce terrain-là. So when you go to that land, j'ai mis mes pieds. I stepped j'ai on commencé it à déclarer. And started declaring. Aujourd'hui, une maison est établie là-bas, elle vit là-bas. Today, a house is established and that's commence where quelque is part. Start Dieu somewhere fera le miracle. The Lord will do miracles. Que tout un chacun de vous each one of you qui n'a pas encore un morceau de terre who do not own any land qui yet commence à dormir en réclamant la terre. Let them sleep and claiming this. Je veux voir vos maisons. I want to see your houses. Je veux venir bénir les maisons. I want to come and bless houses. Je veux le faire.
Il n'y a rien qui me donne de la joie quand un enfant de l'église, un papa ou une maman dit, pasteur, viens bénir la maison. Je viens avec joie. I'm always joyful when I'm asked. Parce que Dieu nous a donné encore un morceau de terre. Because God has given us another. Quand il parlait à Abraham, à Jacob, à Isaac, speaking to Abraham, Isaac, son langage était, je vous donne la terre. He said, I'll give you the land. Et toutes les familles de la terre par vous auront aussi les terres. And through you, the all families of this earth will be blessed. Nous devons occuper la terre. We must occupy the land. Ceux qui occupent la terre, those who occupy the land, ils établissent les lois. They establish laws. Regarde ce qui se fait souvent chez nous, mais je crois même ici. Now see this is what happening back home also. Celui qui occupe, comme maman est là, chez elle la venue a leur nom. C'est la maman de Michael. The one who occupy, la venue ils habitent s'appelle Avenue Bonjobo. The road parce or the street. Parce qu'ils étaient les premiers à occuper le lieu. Because they occupy this place the first. Quand tu occupes le lieu en premier, when you occupy a place, même l'avenue prend ton nom. Even the street will be named after you. Tu deviens influent. You become influential. Nous ne pouvons pas être influents. We cannot influence. Si nous n'avons pas la terre. Unless we own land. Cette année. This year, si tu avais une maison, tu auras trois à la fin de cette année. Had a house, you'll have three more. Si tu avais trois, tu auras six. If you had three, you'll have je six. Sais de quoi je parle. I know what I'm talking about. Dieu va te les donner. God will give them to you. Je te dis la vérité. This is the truth. Tu achèteras cash. You will buy cash. Tu achèteras cash. You'll buy them cash. Tu achèteras cash. You will buy them cash. Tu achèteras cash. You will buy them cash. Écoutez-moi. Listen to me. Tu n'as pas besoin you do not de commencer toujours avec des millions. To start with millions. J'ai vu des gens acheter des bachelors. À l'époque, un appartement qui s'est coûté 150 000 rands. At the time, a bachelor cost 1,050. Parle de quoi? 2010. 2008 or 2010. Un bachelor, one bedroom ici. Derrière la piscine que je suis allé voir, quelqu'un me vendait à 150 000 rands. Somebody, I mean, this was sold for 150,000. Ici à Kédé, il y avait des bachelors 200 000. Bachelors were all over for 200. Aujourd'hui, il y en a à 300 000. And now you can also find for 300. 300 000, c'est quoi? C'est 17 000 dollars. This is only 17,000 US dollars. Il y a des gens qui ont sauvé des 100 000, des 200 000 sont allés donner à quelqu'un pour voyager. People saved up to 200 US dollars. But on est plus sur Bazarana qu'ici. They gave them away just for them to travel. Sur Baloba, les gens leur croient plus que même à leur pasteur. It's as if they, these people are not. Donne-toi right un target. Give yourself a target. Si tu peux acheter une voiture de 600 000, if you want to buy a car costing 600,000, buy instead the apartment. Tu dis à la banque, non, donne-moi ça, je prends un appartement. Saying to the bank, lend me this and then I'll buy a. Au lieu que je le paye en 20 ans, je le paye en 5 ans. Instead of paying it for 20 years, I'll do it in 5. Je vais conduire ma même voiture, mais je vais avoir des assets dans la vie. I'll drive the same car, but I want to have assets. Vous êtes à 10. Vous faites les lits qui est l'emba. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, ça fait 300 000. On achète pour Maman Jolita. Tout bandé lits qui est l'emba. On achète pour. Vous devez avoir même un bachelor en ton nom. Each of you must have at least a bachelor under your name. Ça doit être tes targets cette année. This must be your target this year. En 2018, j'ai pleuré. 2018, I cried. J'ai dit, j'ai travaillé toutes ces années. Saying that I've been working all these years. Que Dieu te délivre de cette place. May God. Dieu va te donner. God will give you. Une maison en ton nom. A house that belongs to you. Donc tu as les papiers. Tu as for les papiers. Which you have papers. Et un jour, tu peux avoir un problème, tu vas à la banque, mes papiers sont là. So one day donnez-moi un million, les papiers sont là, au Simba. These papers to the bank for you to get money. Si quelque chose de sérieux t'arrive aussi, Mizani. If something serious happens to you, what qu'est-ce que will tu you, peux donner comme gage, comme on est ici? What can you give out? Tu as un sérieux problème, tu as besoin d'un million de rands. You tu have a serious problem and you want to go and borrow 1,000 million. Oh, je suis un homme sérieux. Qui va te croire? I'm a serious man and who's going to believe you? Je suis venu réveiller quelqu'un ce matin. I've come to awaken la bénédiction somebody. Que Dieu donnait à nos pères, the blessing that was given c'était to our la fathers, terre. It was land. Et je me suis dit, and I told myself, cette année,
this year, commençons par l'église. Let's, starting with the church, nous allons posséder la terre. We will own a land. Je vais finir par donner ces communiqués de ce que Dieu m'a mis à cœur. I will end by saying, giving this announcement. Dieu m'a dit ceci. God told me. Il y a des gens dans l'église. There are people in the church. Que Dieu a préparé dans leur cœur. God prepared in their heart. Pour soutenir cette église. To support this church. Mais qui n'ont pas le moyen en main. But they do not have the means. Mais ils ont le cœur. But they are willing. Et Dieu m'a dit. And God said. De prendre des moments de prière avec ces gens. To take a time of prayer with those people. Le samedi 17, Saturday 17, on aura notre business meeting en ce lieu. We will have our business meeting here. Et ce business meeting sera différent. And this one will be different. Ça sera comme une école de prière. It will be like a school of prayer. Où nous allons prier. We will pray. Sans s'arrêter. Without ceasing. Que Dieu nous donne les ressources. May God give us resources. Pour lui servir. To help us. Ceux qui ont des projets de business. Those who have project ceux qui en sont dans les carrières qui aiment voir un boosting dans ce qu'ils font. Those who feel that they need to be boosted. Samedi 17. Saturday 17. 15h à 18h. From 3 to 6. On va prier que Dieu nous donne le moyen. We'll pray for God to give us means. Nous devons acheter l'église. We need to buy our own. Toi aussi tu dois acheter. You is where you need to buy. Ton business doit acheter. Your business needs to buy. Mon grand-père m'a dit une chose. My great father said to me one day. Il m'a dit. He said. Avant 40 ans. Before 40 years. Voici les choses que tu dois réaliser. This is what you need to realize. Tu dois avoir une maison en ton nom. You need to have your own house. Tu dois être marié. You must be married. Tu dois avoir des enfants. You must have your children. Si tu n'as pas encore réalisé ces choses. If these have not come to pass. Samedi 17, viens, nous allons prier. Saturday 17, come, we're going to pray. Nous allons réclamer cette bénédiction que Dieu nous a donnée par Abraham jusqu'à Jacob. We will claim this blessing given to us through Abraham to Jacob. Dieu t'enlèvera de cette place. God will take you out of that place. Où tu dois mettre ta main à la banque à tout moment. Where you must always go to the bank for something. Ce sont des choses que j'ai refusées. I refuse these things. Et Dieu a écouté ma prière. And God heard my cries. Et même quand on est en train de penser à acheter. And as we are thinking of buying. Nous allons acheter cash. We will buy it cash. Oui, oui, nous allons le faire. This will be bought cash. Nous allons le faire. It's going to happen. Aujourd'hui, today, pour cette église for this church, qui avait du mal à payer 2000 rand, that could not pay 2000 rand de loyer, of rent. Aujourd'hui, on a presque 1 million pour acheter dans la caisse. Today we have up to 1 million to buy. Ce n'est pas beaucoup. This is not much. Ça te top, mais ce n'est pas beaucoup. It's amazing, but it's not much. Dieu a utilisé ça juste pour nous faire comprendre. God has used this just to make us understand. Si vous croyez, if you believe, je peux vous donner plus. I can give you more. Puisque dans ce qu'on a, because in on what, peut compter what you peut-être have, du doigt les gens qui ont donné. We can count people we gave. Mais si tout le monde but if each one peut of prendre us ce projet au sérieux, can take this project avant la fin de l'année, on va acheter. To hearts before the end of the year, we'll buy. Et Dieu m'a dit ceci. And God said, nous devons nous lever. We need to arise pour soutenir l'œuvre de Dieu. To support the work of God. Tout le monde doit le faire. Each one of us needs j'étais to do en train it. De prier pour l'église. I was praying for the je church. Je priais pour les gens. Praying for et people. Je voyais même des figures de gens. I could see the images. Et Dieu me dit, tu vois le problème de ses frères. And God is saying, you see their ils problem. Donnent jamais sa dîme. They do not give. Tu vois le problème de cette sœur. They problem elles of the sister. Jamais. They do not give. Il y a des gens qui prient. There are people that are praying. Mais ils sont infidèles dans leur dîme. But they do not mais regarde tes finances, time. Tu n'évolues pas. Looking at your finances, there's no. Tu n'évolues pas. You are not moving in depuis your finances. Depuis que tu le fais, tu n'évolues pas. Since you are doing this, tu es toujours bloqué, bloqué. You are still turning around. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Les choses comme les dîmes, il faut passer ces niveaux-là où tu réfléchis pour eux. Things like tithe, you must go above. Quand tu sèves la dîme, est-ce que tu as progressé? When you save your tithe. Tu es fidèle pour payer ton loyer. You are paying your rent. Mais pour payer la dîme, tu réfléchis. But for you to pay your tithe, tu as peur des city property, mais tu n'as pas peur de Dieu. You fear city property, but you do not fear God. Parmi les choses qui ont changé ma vie, among things that have changed my life, c'est payer les dîmes. It
faire des sacrifices. To do sacrifices. Je n'arrive jamais dans une église qui construit sans faire une offrande. I do not get to a church which is building without making offering. Wherever ma dernière visite à Lubumbashi, Dieu me donne une instruction dans l'avion. God instructed me in the plane. Avant d'arriver à l'hôtel, before reaching the va à l'église, hotel, fais une offrande. Go to church and make an offering. C'est ma vie. This is my life. J'ai fait toutes sortes d'offrandes. I have done so many sort of si Dieu me dit donne $5,000, je donne. When je God ne réfléchis says, pas. Give out 5,000, I do that. J'ai fait toutes sortes d'offrandes. I have made all sorts of offerings. Mon dernier voyage au pays, Dieu me disait va là-bas fais une offrande. J'ai parti. On my last trip, God was telling me to give out. J'arrive chez Pasteur Samson, je vois qu'il construit. Je sème. Pour ma famille et pour l'église. I could see that he was building and give out offering. Partout où je pars. Wherever I go. Je sème. I give out my offering. C'est le secret de la bénédiction financière. This is the secret to be blessed financially. Ne mange jamais la dîme de Dieu. Do not use the tithe. Quand tu le fais toi-même, tu es le sorcier de ta vie. When you're doing it, you are cursing yourself. C'est peut-être des choses que nous devons enseigner encore. Maybe we need to teach about these things. Au-delà des dîmes, les offrandes, les hôtels, ce sont des choses qui changent le vie. Above your tithe, the offerings and altars, these things they change. Ouais, our j'ai lives. Vu des gens venir comme ça et te donnent de l'argent, c'est plus que même trois fois ton salaire. Une personne. Tout ça, c'est all parce this. Que quand tu apprends à s'aimer, it is because when you know how to plant, Dieu aussi te donne. God will also give même you. L'onction dans le ministère. Having an anointing in the ministry. Si tu ne sais pas s'aimer dans une onction que tu apprécies, tu n'auras jamais ça. If you do not know how to sow in a certain anointing, you will Église not. Du Seigneur, Church of God. Dieu veut nous donner des maisons. God wants to give us land. Mais j'aimerais te demander une chose. But I'd like to ask you for commence par faire ta part. Start by doing your part. Pour que quand tu réclames les promesses so de Dieu, when you're claiming the promise of c'est God, comme quand quelqu'un a ta dette. It's as if somebody est-ce qu'il peut venir you? Encore te demander? Can he come back and ask? Docteur Sandra va donner 5000 rennes. Donc comment on coûte la tope ça va bonjour je ne dis rien comme beaucoup de Congolais. So, tu as la dette meet, de quelqu'un une année, deux ans. Vous voyez même years. À l'église tu ne dis rien. When you meet you keep quiet. Est-ce que une personne normale peut encore venir demander la dette? Mais il y a des gens qui ne sont pas normaux. Il a ta dette, hein. Il vient demander une autre. There are people who are not well. Il a rappelé qu'il y a le gosso en foot à quitter. They're still owing you, but they still come and ask for something. Et il te regarde dans les yeux. Looking at you straight in your eyes. Batabon na bara na zana ngote. Puisque na boy na beta malibako. Tu as la première dette, tu n'as pas. To such people, I say I do not have. Tu viens me demander une deuxième. You still owe me, but you still come and ask c'est again. La même chose avec Dieu. It's the same thing with God. Dieu, donne-moi la maison. God gives me. Mais give tu me as combien de dîmes de Dieu que tu as volé? But you keep eating the tithe of God. Cette année, prends une décision. Take a decision this year. D'être fidèle dans tes dîmes. To be faithful in your the way you tithe. Dieu m'est témoin. God is my witness. Je me souviens pas du mois où j'ai raté ma dîme. I don't remember of a month where I didn't give peut-être out my dans tithe. Les 15 ans ou 20 ans passés. Maybe 15 years or 20 years passed. Et j'ai vu Dieu changer ma vie par ces choses-là. And I saw God changing my life through this. Les choses-là que tu entends que Dieu m'a mis à cœur, Isalaka. These things that you hear me saying, God has placed this in my heart. Soyez fidèles dans ce qu'il y a à dire. Let be faithful to what belongs to God. Il y avait une saison, je prenais ma dîme, je mets ça d'abord dans Malachi, ça dort là-bas. There was a season where I was placing my tithe into the book of Malachi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Test me, says the Lord. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses dessus. And you see if I will not open the heavens. La dîme, c'est le signe qui confirme que tu crois que Dieu est vivant. The tithe, it's a sign confirming that you believe God is alive. Celui qui paye sa dîme, il croit que Dieu existe. The one who pays tithe believes that God exists. Et la grâce qui est tombée cette année. And the grace that is upon us this year. Je vois des jeunes hommes de moins de 30 ans avoir des maisons. I see young people less than 30 years owning their land. Ça va arriver cette année. This will come to pass. Tiens-toi debout, nous allons prier. You may be standing as you are praying. Il a dit à Jacob. He said to Jacob. La terre où tu te couches. The land on which you lay your head. Je vais te le donner. I will give it to you. J'aimerais que nous prions et que nous réclamons cette terre. Like us to pray and claim this land. Certains d'entre vous,
Some of you, non seulement tu réclames cette terre, not only you are claiming it, tu réclames la terre là où ton nombril a été enterré. But you claim where your cord and cord. Tu dis à Dieu, je vais posséder la terre. You say to God, I want to possess that land. Je vais posséder les terres partout. I want to possess land everywhere. Quelqu'un est venu me parler d'un projet d'avoir les terres en Zambie. J'ai dit, ça, c'est la pensée de Dieu. Somebody came and told me about owning land in Zambia, and I said, this Dieu is God. Dieu veut nous donner des possessions de terres partout. God wants us to possess land everywhere. J'aurai des maisons ici au Congo, en Zambie, en Namibie, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Tu vas posséder. C'est ça la bénédiction d'Abraham. You will have houses everywhere. This is the blessing of Abraham. Si on est béni comme les enfants d'Abraham, if we are blessed like the children of Abraham, nous devons posséder la terre partout où nous allons. Then we must possess land wherever we are. Et ce matin, fais cette prière. And this morning, pray like donne-moi this. De posséder la terre. Allow me to possess tu as deux land. Minutes, donne-moi de posséder la terre. Allow me to possess Seigneur, land. Je refuse d'être locataire. God, I do not je refuse d'avoir des bonds. Je refuse. Je refuse au nom de Jésus que chacun d'entre vous sorte de cette année avec une maison qui a son nom. Que chacun d'entre vous sorte de cette année avec une maison qui a son nom. Que chacun d'entre nous sorte de cette année avec une terre qui a ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes bénis si nous ne possédons pas la terre. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes bénis si nous ne possédons pas la terre. Donne-nous la terre. Là où l'église est, donne-nous la terre. Là où l'église se tient, donne-nous la terre. Là où l'église se tient, donne-nous la terre. Nous voulons acheter à gauche. Nous voulons acheter à droite. Nous voulons acheter à gauche, à droite. Donne-nous la terre. Donne-nous la terre. Oh, j'aimerais parler aux jeunes. Donne-toi un target. Avant l'âge de 30 ans, avant l'âge de 25 ans, même un bachelor en mon nom. Quand j'arriverai à 50 ans, j'aurai 10 maisons en mon nom. Parce que la bénédiction que Dieu donne à l'homme, c'est les terres, c'est les terres. Au nom de Jésus, nous prenons possession. Nous nous appuyons sur cette parole qui dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je veux te le donner. Maman, réveille-toi. Commence avec un terrain. Commence à mettre les briques. Le Dieu que je te prêche, il commencera par là et te donnera plusieurs. Que Yahweh vous bénisse, qui vous donne les terres, qui vous donne ce pays, qui vous donne l'Afrique, qui vous donne l'Europe, qui vous donne l'Amérique, qui vous donne l'Australie. Vous allez posséder la terre. Que cette année, ça soit tes requêtes de prière. En ce mois de février, réclame la terre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci pour ce message. May God bless you, pastor. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de recevoir cette parole pour dire je reçois? Is there anyone who's receiving je reçois this cette word parole, and je possède ma terre. I possess the land. J'aimerais challenger des familles. I would like to challenge families. Nous allons prier, non pas seuls, même avec nos familles. Si tu as des enfants, we allez are going prier to en famille. Pray as a family. Que les enfants prient avec toi pour que ce que le pasteur a dit ici soit réalisé. May the children pray with you so that whatever the pastor spoke here should come to pass. Prenez le temps chaque take time, jour, every day. Priez en famille. Pray as a family. J'aime ce que le pasteur a dit. I like what the pastor nous said. Rappelle même que ce qui n'est pas à notre nom. Even what's not in our name. Ce qui appartient à la banque. What belongs to the bank. Ce qui appartient peut-être à la famille. What belongs to the family.
Ce n'est pas à toi. It's not yours. Réclame ce qui est à toi. Take possession of what is yours. Pray as a family. Même sur WhatsApp, si tes membres de famille ne sont pas ici, vous pouvez prier ensemble. You can pray together even through WhatsApp. Que ce mois nous puissions voir ces bénédictions. So that this month we can see those blessings. Commence avec un petit rien, un $100, un $1,000. Start with as little as $100. Si tu ne peux pas ici, même au pays, fais-le. $100 even back home. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Offering time. Blessing time. Offering time. Blessing time. Pendant que le média nous aide avec les détails bancaires de l'église, pour ceux qui nous suivent même en ligne, as the media is helping us with the details of the bank, nous allons prier pour les offrandes que nous allons donner. We are going to pray for the offerings that we're going to give. Quelqu'un s'est dit, je vais aussi offrir pour cette parole que j'ai réussie. Can someone say they're gonna offer for this word that was received? Commence à prier pour ton offrande. Start praying for your offering. Prie pour ta dîme. Pray for your tithe. Prie pour ton action de grâce. Pray for your thanksgiving. Seigneur, souviens-toi de moi. Say God, remember quelqu'un me. En train de dire, Seigneur, souviens-toi de ma maison. Say Lord, remember quelqu'un my home. En train de dire, Seigneur, ça ne sera pas à cause de ce que j'ai, Seigneur. Lord, it's not gonna be because of what mais I ce have. Sera à cause de toi, le Dieu qui multiplie. It's gonna be because of you, the Lord, the God that multiplies. Je sème, Seigneur, I plant dans ta maison. In your home. Souviens-toi de moi. Remember me. Seigneur, bénis, Seigneur, les offrandes que tes enfants apportent dans ta maison. God bless the offerings that your bénis children are bringing in your home. Bless the thanks. Bénis les actions de grâce. And thanksgiving. Ce matin, Seigneur, connecte-nous à ces bénédictions d'Abraham. Father Lord, connect us to the blessings of Abraham. La bénédiction de posséder. The blessings of possessing. La bénédiction de quitter même un endroit. The blessing to pour live un autre in endroit place, où toi tu nous amèneras. To live from a place to a place where you au take us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Les protocoles peuvent nous aider rapidement. Ushers, please help us quickly. Pendant que le panier circule, as the basket is going around, rapidement, je voulais recevoir ceux qui sont ici pour la première fois. We'd like to receive those that are here for the first si vous êtes ici pour la première fois, nous voulons vous recevoir. Pouvez-vous juste lever votre main là où vous êtes? If you are here for the first time, can you just raise your hand where you are? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Glory nous avons deux sœurs avec nous. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous voulons vous recevoir. May you please stand, we'll receive you. Nous voulons vous recevoir par we'll nos acclamations. You. Can you please stand up, by please? Clapping. May you please stand. God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Si vous n'avez pas une église sur place, if you don't have a church around, nous vous recevons dans cette maison. We receive you in this place. Mais à la fin, nous allons vous demander de ne pas être pressés. At the end, I would request you not to pendant be in a une ou deux minutes, la maman qui est devant, maman Jolita, mama si Jolita elle peut lever sa main, front, yeah. Vous allez venir devant, occuper les premières places. You come forward and nous occupy vous parlerons the seats in the front and en bref speak, de notre église. We'll speak about our church. Si vous avez une église d'attache ici, if you have a church, nous vous prions de saluer les bien-aimés là où vous êtes. Vous pouvez reprendre we'll vos places, que Dieu vous bénisse. To greet our beloved. Sans plus tarder, nous allons parler without de l'église. On aura deux paniers aujourd'hui. We'll have two nous today. Voulons soutenir les sociales. We want to support the social. Nous sommes en train de faire cela chaque fois nous avons des situations qui peuvent arriver à toute personne. We do that in case something happens. Et le département des sociales assiste surtout pendant les deuils. The department of social assists during funerals. Même pendant les temps de joie des mariages. Even during times of weddings. Soutenons ce département. Les paniers peuvent circuler. The department. Si vous voulez le faire en ligne, if you want to do it online, nous vous prions de mentionner juste social, offrande sociale. You would please write the references social. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Les communiqués, le pasteur nous l'a déjà annoncé. The announcement were given by the pastor. Le samedi 17, nous aurons réunion de prière. Saturday 17th, we're going to have a meeting here. C'est un atelier. A workshop. It's a workshop. Où nous allons parler des affaires, business. We are going to talk about business. Mais ça sera spécial comme il a déjà annoncé. It's going to be special. Nous allons passer ce temps dans la prière.
Ça sera comme une école de prière pour ses affaires. It's going to be like a school of prayer for the business. Nous allons prier que Dieu nous rende des bailleurs. We'll pray that God makes us like nous allons prier que Dieu nous aide à posséder. We'll pray that God helps us possess. Nous serons là, l'heure vous sera communiquée. The time will be announced. Donc, notez ça déjà le 17 de ce mois, pas ce samedi, mais note le samedi qui va venir. The 17th of this month, je vois une sœur qui est en train de se dire, j'ai commencé les affaires, ça ne marche pas. I can see a sister saying they started ça a sera une opportunité pour tes affaires. This is going to be an opportunity for your business. Le samedi 24 de ce mois, Saturday 24th of this nous month, aurons notre école de prière. We're going to have our school of prayer. Est-ce que quelqu'un est dans la joie pour cette école de prière? Is someone happy? Nous allons être là pendant 6 heures du temps. We're going to be here for 6 hours. Aussi réclamer ces bénédictions d'Abraham dans notre vie. So that we can also take those blessings. Dans cette semaine, nous avons nos programmes habituels. This week we're going to have our usual programs. Les programmes en ligne continuent. The program online continues. N'ignore pas la prière quand les autres prient en ligne et toi faire autre chose. Don't ignore the online prayer and do other things. Que Dieu vous bénisse. Je veux rappeler les pasteurs pour prier pour ceux you. Qui ont fêté et clôturé ces I'll call the pastor to pray for those that had their birthdays. Aussi, nous voulons annoncer à l'église que dimanche 18 février, we are announcing to the church that on the 18th of nous February, aurons notre semaine de prière avec un séminaire qui sera conduit par le pasteur Louis Imba. We're going to have a prayer and seminar that's going to be led by Pastor qui est Louis. Mon pasteur que l'église connaît, il sera là pour He's deux going ou trois to semaines. Be here. Et il va parler aussi sur la bénédiction. He's going to speak on the blessings. Donc à partir de dimanche 18. From Sunday the 18th. Et puis mardi, mercredi, jeudi. And Tuesday, Wednesday, vendredi, Thursday. Vendredi, on sera off. And Friday, we're going to be off. Samedi, école de prière. Saturday, it's school of prayer. Et dimanche, il va clôturer. And Sunday is going to close. Donc samedi 17, école de business de prière. On Saturday 17th, it's school of prayer for business. Si ton business, bah, local, yango, vient, on va débloquer ça. If they bewitched your business, come, we're going to. Toi qui, quand tu veux toucher de gros montants, il y a toujours un problème, viens. You who has an issue when you have to get big money, les gens come. Seront prêts à signer, les jeux doivent signer, la personne meurt, viens. Those that have to sign on the day and some and the person dies, quand tu you rêves, c'est moins beaucoup d'argent, on te donne l'argent dans les rêves, mais en réalité, mon âme, they give you money in your dream, but you don't see it in reality. Samedi 17, de 15h à 18h. Saturday 17th, from 15h, 3 nous, on va to commencer la prière. 6 si toi, tu vas venir PM. À 16h, c'est ton problème. Mais 15h. We're going to start at 3 p.m. On va prier pour nos business. We're going to pray for our businesses. Si ton business faisait 100 000 rands l'année, cette année, ça va faire 1 million. If your business was making 100,000, si tu étais à this 1 million, year, tu vas monter à 10 millions. If you were on 1 million, you're going to make 10 c'est million. C'est bon quand on prie comme ça, pour que quand Dieu agit, tu te souviennes de là où tu as eu ça. It's good when we pray like this so that when God does does a miracle, you will remember. Ceux qui ont le fardeau de soutenir l'église, those that have burdens to support venez the church, à cette réunion-là. You are welcome to that meeting. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'église doit faire maintenant. There are a lot of things that should be done in et the church. Et l'une des choses qui nous prend beaucoup de charges, c'est le loyer. And the biggest problem is the rent. Presque 36 000 rands chaque mois. There is 6,000 per month. J'ai besoin d'au moins 10 personnes qui veulent se joindre à nous. 3,600, ils enlèvent cette charge-là. I need like 10 people that can assist. Ils portent ça en eux. So that they can take it in them. Écoutez ce que je veux vous dire. Listen to what I'm telling tu you. Tu ne connaîtras jamais la boosting financier si tu ne sais pas faire des sacrifices. You will not be boosted financially if you don't make sacrifices. Tu seras toujours au même niveau. You remain at the same level. Les vies des gens changent avec des sacrifices. People's lives change with sacrifice. Si tu sais pas le faire, if you don't know how tu to vas do seulement it, regarder les gens. You will just be looking at people. Amen. Amen. À un certain niveau, at a certain level, quand tu pries, when you pray, et que tu ne vois pas de changement, and you don't see change, ajoute l'offrande.
Corneille, tes prières et tes offrandes sont montées jusqu'à Dieu et Dieu s'en est souvenu. Your prayers and offerings will go to God. Il y a des gens qui prient beaucoup. There are people who pray a lot. Mais il n'y a pas des offrandes qui vont avec les prières. But there are no offerings that go with prayer. Cette année, si tu veux toucher des millions. This year, if you want to touch millions. La qualité de ton offrande détermine ce que tu veux recevoir de Dieu. The quality of your offering will determine what you want to receive from God. Amen. Amen. Tiens-toi debout. Nous voulons prier d'abord pour ceux qui ont eu les anniversaires. We would like to pray for those that had their birthdays. C'était ton anniversaire pendant la semaine. It was your birthday during the week. Maman Brigitte, who else? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Ce matin, je suis passé par le CODIM. This morning I passed through the Sunday school. La salle ici qui a 50 chaises est pleine. This hall that has 50 chairs is full. Quand j'étais là, c'était plein, mais tous les enfants n'étaient pas encore là. When I was there, it was already full, but other kids were not there yet. C'est un signe que nous devons faire quelque chose pour avoir notre place. It's a sign that we need to have our own place. Que Dieu vraiment nous aide. May God help us. Est-ce qu'on peut prier pour eux? May we pray for them. Père, je leur bénis. Father, I bless them. Je bénis Jonathan, je bénis Maman Brigitte. I bless Jonathan, I bless Maman Brigitte. Ils sont une grande bénédiction pour l'Église. They are a great blessing to the church. Je te rends grâce pour le don de la vie. I give you grace for the continue gift à veiller of life. Sur eux. Keep looking after them. Continue à leur garder. Continue protecting continue them. À leur protéger. Continue protecting them. Seigneur, je prie aussi pour l'Église. Father, I pray also for the church. Que cette année, may this year, que nous entendons des témoignages, we hear testimonies. Après cet enseignement, after this teaching, je prie la décision, I take the decision, d'être fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes, to be faithful in my offering. Et je dis à Dieu, and I tell God, donne-moi la terre. Give me the land. Je commençais l'année I locataire. Started the year as a tenant. Mais voilà la maison que Dieu m'a donnée. But this is the home, the house that God voilà has given le terrain me. Que Dieu m'a donné. This is the land that God has given me. Et je veux maintenant bâtir. And I'm going to build. Que cette parole porte de fruits. May this word carry fruit. Au nom de Jésus. In the name of nous Jesus. Disons amen. We say amen. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. J'ai oublié quelque chose. Did que I Dieu vous anything? Bénisse. God bless nous you. Sommes là le jeudi. We are here on Thursday. Nous allons continuer avec cet enseignement. We're going to continue this teaching. Venez le jeudi, nous allons prier pour réclamer la terre. Come on Thursday, we're going to pray to reclaim the land. Et Dieu nous fera grâce. And God will do I'll see grace. You all on Thursday.